Tout a commencé en 1947 dans un atelier de carrosserie à Schmitten que notre père il a ouvert. Très tôt déjà, il a commencé à faire des équipements de déneigement pour la sécurité des routes. Aujourd'hui, notre business model, c'est detection, l'action, et le management. Détection pour mesurer ce qui se trouve sur les surfaces. Action, les machines qui peuvent curer ou faire quelque chose contre la situation ou bien la nettoyer. Et le management pour saisir toutes ces données sur une banque digitale pour la maintenance et le management de nos routes. Oui, après presque 70 ans de l'existence de notre société, on voulait regrouper toutes nos sociétés suisses sur une seule site. Et en époque, il n'y avait pas beaucoup de choix ici dans la région parce que nous, on voulait aussi prendre nos personnels de canton de Fribourg ici à Payern. Et puis avec une bonne collaboration avec l'État de Vaud et puis la commune de Payern, on a choisi avec notre préférence aviatique ici le terrain à Payern. Nous avons profité des aides du canton pour l'implantation ici à Payern et nous avons toujours financé les développements et les nouveaux produits qu'on a faits par nos propres moyens. Le nom Boschunk est associé mondialement chez nos clients comme de Swissness ou Swiss Engineer. Nous associons avec ces termes notre qualité, notre sustainability des produits et notre multilanguage et flexibilité de nos personnels suisses. À peu près 90% de nos collaborateurs ont suivi Boschunk quand on a déménagé de différents sites de canton de Fribourg ici à Payern. Mais nous recrutons régulièrement des collaborateurs des autres écoles et universités de Lausanne, Fribourg, Neuchâtel et Bienne. Plus que 80% de nos produits sont vendus en étranger avec notre propre succursale et avec des revendeurs en Europe, en Russie, en Chine, en Japon, en Amérique du Nord et en plus en Australie et puis Nouvelle-Zélande. Un grand obstacle que nous confrontons, à part le Covid d'aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Ces derniers hivers, ils étaient hélas de moins en moins rudes et pour cette raison, nous développons des nouvelles machines et des nouveaux systèmes qui sont utilisés toute l'année et surtout aussi l'été pour le nettoyage des routes et des trottoirs des villes, des communes et les aéroports. Nous, on voit clairement l'avenir pour des développements durables. Par exemple, notre balayeuse électrique, zéro émission, et puis le pony électrique, zéro émission. Et en plus, on aimerait bien digitaliser tous nos produits sur notre propre plateforme cloud, ici Borma. Et en plus, l'automatisation de tous les véhicules. Spécialement aujourd'hui, on a déjà la balayeuse électrique automatisée qui peut travailler toute seule sur un terrain digitalisé.